Salut, salut à tous et surtout bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous faisons un bref tour du côté de l'ONU. En effet, de ce côté, nous apprenons que Mouhamadou Issoufou détruit les chances de Ouattara devant l'ONU. Il dit « Je ne serai pas candidat pour un troisième mandat ». Devant l'ONU, le 24 septembre 2020, Mouhamadou a annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle pour un troisième mandat. Étant président du Niger, il a annoncé que c'est sa dernière fois qu'il s'exprime à l'Assemblée générale en qualité de chef d'État de son pays. La prochaine élection, qui se tiendra en décembre prochain, sera l'occasion pour ces Nigériens et Nigériennes de choisir leur nouveau dirigeant. Qu'on sait tout le monde pour la première fois de son histoire que le Niger connaîtra un transfert démocratique du pouvoir, cette échéance remplit certaines personnes de fierté et d'autres ne sont pas fiers, a avoué le président. Il a souligné que dès le début de son premier mandat, il a fait du respect des constitutionnels et des institutions une vertu candidale de sa gouvernance pour la renaissance du Niger. Certaines personnes se posent la question de savoir est-ce que Alassane Ouattara va continuer sa poursuite vers le pouvoir ou lui aussi il doit laisser comme Mouhamadou. C'était là l'information du jour. A plus, j'espère que vous avez kiffé, partagez, tout, bon visionnement.